Un petit peu quand même. Ok, tu es francophone en fait? Non, pas du tout, mais on a appris à l'école et avec l'équipe, donc ça va. Super alors. J'espère que ça va, suffit. Ça va aller, ça va aller bien en tout cas. Vous allez? Tino, racontez-nous une course d'équipe impressionnante. C'était absolument magnifique. À 3 tours de l'arrivée, on a décidé d'essayer quelque chose sur la descente. Donc on a mis quasiment toute l'équipe qu'il nous restait devant. On est roulé à fond, j'ai pas commencé à ça a fait des cassures derrière, mais apparemment ça a suffi. En bas, on a dit ok, on va rouler un peu sur le tempo, on va rouler contrôlé, mais quand même fort, parce que derrière il faut quand même rouler très très fort pour revenir. Il y avait que quelques coureurs qui sont revenus, après on avait toujours quelqu'un devant, on pouvait jouer le jeu. Et à la fin, la victoire de Max, c'est juste magique, c'est absolument magnifique. La bosse a été dure et elle a permis de faire des différences. Pas voir Clément, eh bien, pardon, la bosse était dure et elle a permis de faire des différences, mais on a quand même le sentiment que pour une vraie attaque, c'était un peu compliqué. Il a fallu trouver d'autres options sur le parcours. En bas, c'était très rapide. En plus, on avait le vent dans le dos, donc la vitesse, elle était très élevée. Et que dans les parties un peu plus raides, on avait la chance de faire quelque chose. C'était jusqu'à la fin. À Lens, dans le village, quand on passe à la gauche, c'était un peu plus raide. Donc c'était le seul moment où on pouvait essayer quelque chose, parce qu'on a vraiment profité d'Aspiron. Mais la meilleure place pour attaquer, c'était vraiment la descente. Vous êtes surpris que Marc ait gagné? Non pas que vous avez tout fait pour qu'il gagne, mais la façon dont il a gagné, parce qu'il y avait des sérieux clients avec lui. Bon, c'est une championnat du monde, il y a des professionnels, il y a quand même un niveau très très élevé. On était sûr de pouvoir bien faire, mais que c'est la victoire à la fin, c'est un peu étonnant quand même. Et la manière comment il a gagné, c'était vraiment la classe, donc on va le fêter ce soir. Et pour vous personnellement, un excellent résultat aussi? Bon, comme tous les coureurs, on aimerait bien être tout devant, mais aujourd'hui c'est l'équipe et la victoire de Mike, c'est plus important que ma place personnellement. Merci beaucoup. Super. Merci, le français. Hein.